les chaussures, les baskets, les vêtements qui sont déjà utilisés. Mais ce n'est pas bien parce que parfois, dans les pays pauvres, les gens ils ont attrapé des choses, on va dire, des microbes, etc. Et souvent, ce sont des baskets qui viennent dans les pays riches. Et puis, les gens utilisent ça un an, deux ans. Et puis, vous savez que dans les pays riches, on peut utiliser les chaussures, les baskets pendant 3-4 ans, ça ne déchire pas. OK, c'est pas après, ils ont envoyé ça chez les pauvres. Et moi, je me souviens, il y a un moment, et très longtemps, et puis quand j'étais en Amérique, et puis j'ai utilisé ce genre de chaussures que j'ai déjà utilisées, eh bien, j'ai attrapé un champignon au pied. OK, et à partir de après, eh bien, j'ai fait soigner, je n'utilise plus les chaussures deuxième main qui est déjà utilisée. C'est ce qu'on s'appelle Kennedy encore là, je n'utilise plus ça. Et maintenant, je vais vous montrer. C'est quoi les chaussures qui est déjà utilisées? Ça veut dire les chaussures Kennedy. Emil Change qui vous parle. Second hand shoes, I'm talking about right now. Ok, comme vous voyez, ça c'est une chaussure Jordan. J'avais payé 150 euros, mais il y a longtemps. Ok, mais ces chaussures c'est neuf. Mais je veux plus ces chaussures parce que je suis fatigué avec ça. Ça fait plusieurs années que j'utilise. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça dans une boîte, ok, pour envoyer dans les pays pauvres, ok. C'est ça, on s'appelle Kennedy. Ça veut dire que j'utilise plus ça, ok. Yes. C'est ça qu'on s'appelle, Kennedy. Ça veut dire que je vais envoyer ça, je vais mettre ça dans une boîte pour envoyer dans les pays pauvres. Mais quand la personne enlève ses chaussures, il va envoyer ça dans les pays pauvres. Si la personne a un champignon au pied, ben les gens dans les pays pauvres, ils vont attraper aussi les champignons. Ok? C'est pour ça, c'est pas bien, c'est dangereux. Mais les pays pauvres, ils font pas d'efforts. Alors les pays riches, envoyez tous les poubelles chez eux. Emil Chen va vous montrer en direct. Ok, voici ce que j'ai fait. Je ne voudrais plus, je vais envoyer ça dans les pays pauvres. Ok? Comme il faut. Yes. Et puis maintenant, je vais mettre un chaussure neuf. Yeah. Ça, c'est le neuf. Cash money, yes, sir. OK. Cash money, yes, sir. OK. Ça, c'est 150 euros. OK. 170 dollars US. Et l'argent haïtien, c'est 10 500. 10 500 good. OK. Vous savez qu'il faut vous parler plus tard. Let me change cash money, yes, sir. Right now. Cash money, yes, sir. Cash money, yes, sir. Comme celui-là, je dois envoyer ça chez les pauvres, je dois mettre ça dans un sac en plastique, ok? Jordan, yeah, j'envoie ça chez les pauvres, il faut mettre ça dans un sachet en plastique, yes sir? Ok, là, je suis dehors, là, je vais jeter les chaussures pour envoyer dans les pays sous-développés. Restez branchés, Emil Chen, right now. Ok, là, Emil Chen, j'ai en direct, ça, c'est les boîtes, c'est ça qu'on s'appelle Kennedy. Vous voyez, et Kennedy, c'est ça, ok? Ça veut dire les choses qui ont déjà utilisé. C'est ça, on s'appelle Kennedy encore là ici, ok? Dans tous les pays riches, tout ce qu'ils ont déjà utilisé, ils ont mis ça ici dans cette boîte, et puis ça va dans tous les pays pauvres du monde, ok? Et nous, je tiens direct pour vous montrer ce qui existait. Nous, tiens, restez bon, chez right now. Ok, là Emil Change va vous montrer, voici la boîte, voici l'image des chaussures. Et puis maintenant, je dois ouvrir ici normalement. Normalement, c'est ici, ou ça ouvre pas. Ah oui, voilà, c'est comme ça. Je dois mettre les chaussures dedans. Emil Change, restez branché. Ok, chaussures 150 euros. Yes, ok, j'ai mis ici. Ok. Et j'ai mis l'autre dedans. C'est ça qu'on s'appelle Kennedy, chaussures qui ont déjà utilisé. Et puis ça va dans tous les pays pauvres du monde. Yeah. Parce que les. Attends, comment ça fonctionne? Ça ne ferme pas. Attends, il faut que ça ferme. Ok, là c'est parti. Ça ne revient plus. Ça ne revient plus en Europe. Ça quitte l'Europe. Vous voyez? Yeah, c'est ça. Kennedy. Ça veut dire les chaussures qui ont déjà utilisé. Yeah. You know what I'm saying? Second hand shoes. Why not? Let me change.